fin de la route 138 Est, début d'une nouvelle route, la route blanche. C'est l'aventure qu'on va faire aujourd'hui. La route blanche, c'est pas une randonnée en sentier paisible comme on a l'habitude de voir un peu partout au Québec. C'est vraiment une expérience unique, spéciale. C'est une expédition, c'est une aventure, vraiment. On a arrêté de voir nos amis d'Atelier Laforge qui nous prêtent deux motoneiges, un trailer, heureusement, donc un concessionnaire Ski-Doo. On a une motoneige de sport DRC, évidemment, nos fidèles partenaires. Donc, on est extrêmement bien entourés. On est accompagné de Martin et Paris pour cette expédition-là. Deux motoneigistes, des passionnés de motoneige et des gens de la Côte-Nord. Donc, on est bien accompagnés. Alors, moi, c'est Paris Deschênes. Je suis propriétaire de la Galouin Auberge et Restaurant. Bonjour, Martin Brisson. Moi, je vais parler un peu plus des produits Terroir Boréal, étant donné que je suis chef propriétaire. On est propriétaire depuis 21 ans. On est situé à Tadoussac, au cœur du village. C'est la première fois qu'on fait la route blanche, sauf que nous, on est venus à l'automne faire la Basse-Côte-Nord en avion, en hélico, en voiture. C'est merveilleux. Toute notre aventure aujourd'hui, cette semaine, elle est en partenariat avec Voyage Cost. C'est ce qu'ils font. Ils organisent les expéditions pour nous. La météo peut vraiment impacter le trajet, le séjour. Donc, il faut être prêt à se retourner puis à changer la planification si nécessaire. On a arrêté de manger hier au restaurant La Promenade à Havre-Saint-Pierre. C'était super bon, super beau petit restaurant. Puis on a dormi à Natashquan, l'auberge La Cache. C'était parfait, magnifique. On a repris la route ce matin. On est venu jusqu'à Kegaska, stationner les véhicules. On va s'en aller, on va passer par la Romaine. Ensuite, on va pouvoir filer, on va arrêter dîner dans un refuge, puis on va arrêter ce soir à Harrington Harbor. Donc, une belle journée, beaucoup de kilométrage, des belles conditions. L'aventure commence, ça va être vraiment un beau voyage. En ce moment à la Romaine, mis de l'essence, on va reprendre la route bientôt. C'était super bien balisé, c'est vraiment clair, c'était le fun, il y avait beaucoup de neige, de la poudreuse, on s'est bien amusé, c'était extraordinaire, j'avais le sourire collé tout au long, c'était vraiment le fun, ça a été une avant-midi extraordinaire. On est guidé de main de maître par Martin qui nous tape la traîne, ça me fait vraiment bien. Ben, moi je me sens en sécurité, le fait que tu sois là, ça me sécurise, les balises sont là, donc on a l'impression d'être dans le Grand Nord, d'être en exploration sauvage. Ouais. Mais en même temps, c'est sécuritaire. Ben il faut, puis tu sais, dans le fond, c'est comme aujourd'hui, il y avait les vents, puis surtout la neige. Fait qu'il faut quand même user de sécurité là, par rapport à tout ce qui a trait au niveau des balises. Suivre les balises, comme tu m'expliquais, oui. Là, dans des baies, il peut y avoir des lames de glace. Mettre des rubans pour justement indiquer aux motoneigistes de ne pas aller trop hors sentier pour avoir un risque de collision avec ces glaces-là. C'est dépaysant, c'est vraiment spécial. Puis c'est différent de ce qu'on connaît. Là. La route était vraiment le fun. On est reparti pour l'autre bout. On continue l'expédition. Yes! Excellent! Donc, une belle journée hier, première journée, plusieurs kilomètres, mais ça en valait la peine, c'était incroyable. Les paysages, les reliefs, ça passait des montagnes aux forêts, on passait dans des vallées, des plaines, des grandes étendues d'eau. C'était à couper le souffle, c'était vraiment le fun, vraiment incroyable. C'est pas du sentier, c'est pas du hors-piste, c'est rien qu'on connaît. Donc, on est arrivé hier soir à Harrington Harbor pour dormir chez Jean's B&B, Jean's Bed and Breakfast. C'est la propriétaire, c'est sa maison. Elle a une autre maison aussi qu'elle peut louer pour les gens. C'est elle qui fait les repas. La bouffe était vraiment bonne. C'est comme la bouffe de grand-maman. Aujourd'hui, la température est de notre côté. Le ciel, il est bleu, azur, c'est magnifique. Ça va être une belle journée, la température est bonne. On va aller faire un petit tour d'hélicoptère. On est chanceux. On va pouvoir voir la vue d'en haut. Ensuite, on va se rendre à Tête-à-la-Baleine où on va aller sur les montagnes.
Donc, une belle journée, bien remplie, à visiter le coin de pays qui est, ma foi, sublime. Donc, ça va être de toute beauté. Cet automne, nous, on a fait, dans le fond, on a fait la Basse-Côte-Nord en avion, en hélicoptère, avec un groupe de recherche qui nous aide à faire du développement avec notre plante qu'on est en train de faire évoluer sur la Basse-Côte-Nord par rapport à au climat, qui est super pour cette plante-là. Tous les petits villages autour, donc c'est vraiment exceptionnel, les paysages, soit l'automne, soit l'hiver. C'est vraiment quelque chose à faire, là. Il faut planifier notre voyage, puis go, il faut y aller, vraiment. Quand on part expédition à l'aventure sur la côte, on prévoit vraiment des équipements ou l'aventure au niveau climat, tout ce qui est, bon, on part le matin, ça prend un peu des briquelettes pour allumer le feu, parce qu'on sait ici, il n'y a pas vraiment nécessairement des courses de boulot. Donc, il faut prévoir au niveau des refuges, les endroits où il y a des refuges, et pointer avec le GPS. Le lendemain matin, il faut prévoir à déglacer les motoneiges pour au niveau des ponts, ces choses-là, pour pas qu'on ait des bris au niveau technique, parce qu'on sait ici, là, vraiment, là, la motoneige, ça brise. Il faut prévoir des cordes, tout ce qui est attache pour tirer d'autres véhicules, si jamais il y a un bris majeur. L'essence, très important, dans des endroits où on arrive dans les villages, le ravitaillement d'essence, prévoir d'avertir où vous allez, en quelle direction, planifier surtout vraiment votre voyage, votre itinéraire d'avance. On avait un tour d'hélicoptère de prévu. Malheureusement, un pépin mécanique nous empêche de le faire. Il faut comprendre qu'ici, c'est une île, les côtes n'ont pas accès à la route. Dès qu'il y a besoin d'une pièce de remplacement, quelque chose, même les contracteurs qui vont travailler durant l'année, c'est toujours un défi de se procurer le matériel, la nourriture, des choses comme ça. Donc, il faut être flexible, il faut s'adapter, dame nature, les bris, tout ça. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout va bien, belle journée. On va avoir des beaux paysages un après l'autre. On va aller rencontrer des gens formidables, j'en suis certain tantôt. Des gens avec une réalité différente de la nôtre, unique. J'ai hâte de voir ça, ça va être quelque chose de spécial à découvrir. À tantôt! Superbe journée pour nous, il fait beau, les sentiers sont magnifiques. La route blanche, c'est le plaisir pour nous, les touristes, mais pour eux, les gens de la Basse-Côte-Nord, c'est vraiment quelque chose d'utile. Grâce à ça, ils peuvent se côtoyer tout l'hiver. Ils vont passer d'un village à l'autre, de festival à tournoi de hockey. Il y avait même un mariage qui se préparait à Elmer Sound. On est passé devant l'ancien village parce que ça a été fermé en 2007. La fin de semaine suivante, tous les gens des communautés autour allaient se rencontrer pour célébrer un mariage. Donc, on voit vraiment que la route blanche, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important qui les permet de se rapprocher. Contraste avec ce que vous avez vu cet automne, comment vous trouvez ça? Ils sont aussi accueillants que l'automne, puis c'est spécial, là, les couleurs, l'eau, les routes, c'est extraordinaire. On est parti de Harrington Harbor, on fait la route jusqu'à Tête à la Baleine. Les paysages changeaient un petit peu, c'était différent, un peu plus montagneux, pas tant de forêt. C'était vraiment beau, des paysages encore une fois, comme tout le reste, à couper le souffle. C'est spécial comment ils placent les maisons, c'est vraiment selon le relief, c'est pas selon la
les rues, puis pour les mettre parallèles et perpendiculaires, c'est vraiment en utilisant le relief. Donc, il y a des petites maisons un peu partout, super beau. C'est blanc. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que vraiment, numéro un. Ben, tu sais, en fait, on voit qu'on rentre dans l'archipel, si on pourrait dire des îles, parce qu'à Tête-à-Baleine, il y a quand même 600 îles. Fait que là, on voit là, la chaîne de montagnes, les petites îles, ces choses-là. Je suis vraiment excité de voir après-midi comment ça va être. On vient d'arriver à l'auberge de l'archipel. On va aller rencontrer Martin Marcoux. C'est notre guide après-midi pour notre activité. L'auberge, c'est ici qu'on va dîner, souper, dormir ce soir. Puis pour l'activité, ben, je vais laisser Martin nous en parler tout à l'heure. Notre guide, Martin Marcoux, aussi le propriétaire de l'auberge de l'archipel, nous amène après-midi voir les îles, les îlots. On va aussi aller voir l'île de la Providence. Il nous a dit que c'est du hors-piste. Je ne suis pas un expert d'hors-piste, mais j'ai hâte. C'est sûr qu'on va avoir du fun, on va avoir beaucoup de plaisir. La température est incroyable. C'est parti! On part d'ici du village, on fait un bout sur la route blanche, parce qu'on sort hors-piste. On s'en va parmi les îles, on se rend à l'île Providence. Et après ça, on va au musée de Joyba. Puis après, on monte sur une élévation, sur une île, voir l'archipel. Et on finit dans mon chalet sur l'île Pierrot. Pour ça, on rentre au village. Ce soir, là, on a des grosses attentes pour le coucher de soleil avec les couleurs, puis tout ce qui va se mélanger avec la neige, en fait, là, ça va donner vraiment un aspect wow, je crois. Là. C'est tellement beau. Voir le golfe du Saint-Laurent. Les maisons qui ont été bâties sur les îles. La chapelle, il y a tellement d'histoire ici. C'est incroyable. C'est un morceau de l'histoire du Québec qui est là. On est là. C'est vraiment touchant. C'est magnifique. Je suis venue à l'automne. C'est merveilleux. Là, c'est comme si c'était un autre endroit. La chapelle, c'est de toute beauté. C'était vraiment à découvrir, là. Moi, je suis encore une fois sans mots aujourd'hui. Là, j'ai commencé ma journée comme ça, puis là, c'est de toute beauté. Vraiment, c'est extraordinaire. Toujours le « wow », toujours l'aspect des grandeurs, des grands espaces, d'épaisement total pour les gens qui veulent découvrir l'aventure puis vivre des émotions autres. Je crois, à date, là, c'est un de mes voyages d'hiver que c'est mémorable. Vraiment, là, on est dans un autre complètement autre dimension. Le village ici, est-ce qu'il est habité encore à l'année? Non. Le village ici, ça fait plusieurs années que j'ai pu habiter à l'année. Il y a quelques personnes qui viennent de 2-3 mois durant l'été, des pêcheurs à la retraite, okay, qui ont toujours vécu ici, dans le temps qu'ils pêchaient. Mais c'est venu un temps que vivre chez eux durant l'hiver, c'était pas évident. Ça fait que le monde a décidé de rentrer dans sur ta ferme, d'où ils sont installés à 5 endroits différents. Puis après quelques années, le service d'école a commencé, le centre de santé. Fait que là, ils sont tous recouverts de Tête-à-Baleine. Les pêcheurs, c'était un village de pêcheurs, fait qu'il fallait quand même continuer à faire la pêche. Fait que le monde, il y avait une maison sur l'île, puis une maison au village. Vous dites que l'église va être due pour une nouvelle rénovation. C'est important, c'est un morceau d'histoire du Québec. Oui, parce que l'église est plus que centenaire, là. OK. Wow. Ça fait plusieurs années qu'on fait des centenaires, là. Wow. Oui. Incroyable, c'est vraiment beau.
Jouivant, c'est lui, j'étais le premier position, c'est qui faisait la, la basse côte, une partie de la, la haute côte, la moyenne côte, parce qu'il portait du Or Saint-Pierre. Il faisait la poche entre Or Saint-Pierre et Blanche-Sablon. Il faisait ça l'hiver en traîneau à chien, et puis l'été en bateau à voile avec un engin. Il y avait ça durant une quarantaine d'années, je ne me trompe pas. Là. L'immeuble ici, c'est un patrimoine, c'est comme un petit musée. Oui. En son honneur. C'est ça. Les touristes qui veulent le visiter font comment? Ben l'été, quand on peut, quand il y a des touristes qui passent le balai de gagner, quand on a la chambre, on les apporte ici. Ou bien l'hiver, comme vous faites. On... Puis c'est vous qui offrez le service de guide? C'est... Comment ben, ça fonctionne? Ben, moi, je l'offre le service de guide. Normalement, c'est moi qui le fais plus souvent. Là. Parfait. Donc, ils peuvent se présenter à l'auberge de l'archipel, votre auberge, s'informer. C'est ça. Puis ils sont capables de venir visiter. Oui. Pour la route blanche en tant que telle, là, avec les années, est-ce que le circuit de motoneige a fait en sorte que c'est adapté ou ça demanderait peut-être à ce que ça, éventuellement, que ça soit plus adapté pour au niveau du grattage ou l'aménagement des pistes? Une gratte en arrière d'une motoneige, c'est pas assez d'adapté. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème qu'ils ont, ils mettent un employé par secteur. Ça veut dire que l'employé, après la tempête de neige, la première chose qu'il fait, c'est prendre partir sa motoneige et que ça pèle. Cette petite pelle à mitaine, aller pelleter les entrées de portage. Ça prendrait une surfaceuse. Au lieu d'aller pelleter la petite pelle, il s'en irait avec sa surfaceuse, il boulerait ses gros bancs de neige à l'entrée des portages, puis ça gratterait le travail en arrière. Notre liberté durant 12 mois sur la route blanche, parce que l'été, on n'est pas relié, puis on est poigné avec le fameux balai de gagné, puis le transport aérien qui coûte une fortune. Il faut absolument que le ministère de transport s'implique, puis qu'il dit on fait une route blanche adéquate pour tout le monde, avec l'équipement que ça prend. Félicitations pour l'accueil que vous offrez aux touristes. Là, c'est vraiment le fun, on se sent vraiment bien accueilli, c'est chaleureux, les places sont belles. On comprend que pour la sécurité, puis pour augmenter le tourisme, pour vous aider, les instances gouvernementales, il faut qu'ils s'impliquent aussi là, pour vous mettre à jour et vous donner un bon coup de main. Félicitations, vous ne lâchez pas. Ce soir, on a deux belles rencontres. On va rencontrer Pénélope Clermont, la fille qui travaille à la radio, la journaliste. Ensuite, on va aller rencontrer Gilles Monger, Micheline Lapointe. C'est deux personnes très impliquées dans la communauté, dans différents comités. Donc, ils vont nous parler là, de leur patelin, qu'est-ce qui se passe chez eux. D'être à la baleine est une petite communauté. Il y a une radio, c'est un peu surprenant. Est-ce qu'il y a une radio à chaque communauté sur la Côte-Nord? Non, il y en a une à Blanc-Sablon, à Saint-Augustin. C'est principalement des radios anglophones. Fait qu'on est vraiment la seule radio francophone de la Basse-Côte-Nord. On voit l'importance de la radio aussi pour faire connaître cette communauté-là qui mérite d'avoir une voix, qui mérite d'être connue aux yeux du Québec. Dans les dernières années, la radio a fait beaucoup de balados. Donc, beaucoup sur le plan historique de Tête à la baleine. Fait qu'il y a vraiment cette volonté-là de créer des archives aussi, puis de documenter, si on veut, la vie passée et contemporaine de Tête à la baleine. C'est quoi votre métier? Moi, j'ai travaillé dans l'enseignement toute ma vie. OK. Vous êtes enseignante aussi? Oui. Ici, à Tête à la baleine? Ici, à la Romaine, aussi au niveau régional, quelques années. Comment ça se passait, le nombre de jeunes que vous aviez dans vos classes, peut-être à l'époque versus aujourd'hui? En 2004, quand j'ai pris ma retraite, il y avait 23 élèves, puis là, maintenant, il y en a 3. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ça fait mal au cœur. Quand il n'y a plus d'étudiants dans un village, quand il n'y a plus d'école, un village se meurt. Puis c'est ce qui nous arrive, malheureusement, parce qu'on est tous des aînés. Le besoin le plus criant, c'est... Est-ce qu'on va être capable d'assurer une relève?
d'attirer des gens, de garder les jeunes qu'on a actuellement, puis en attirer d'autres. Il va falloir passer le flambeau à un moment donné. On a passé la majorité de la journée ici. On est allé visiter avec Martin Marcoux, notre guide et aussi le propriétaire de l'auberge de l'archipel, l'île La Providence, l'île Gunté. Donc, les origines vraiment de Tête à la Baleine, nous expliquaient plusieurs choses, plusieurs faits historiques. C'était incroyable. Les paysages. Depuis le début de la route, chaque fois qu'on avance, je me dis « waouh, c'est à couper le souffle, ce sera pas mieux ». C'est toujours aussi beau, sinon mieux. C'est vraiment incroyable. J'en ai la chair de poule en vous le disant. Les gens sont chaleureux, c'est le fun. La réalité, elle est spéciale, elle est unique. C'est des villages de pêcheurs qui doivent se diversifier aussi autant que possible. Le tourisme a un petit apport économique, mais pas si grand. Puis pourtant, c'est tellement de belles places, il y a tellement du potentiel, c'est incroyable. L'histoire des gens, elle est touchante. On voit que les populations diminuent, l'exode des jeunes, la difficulté de la main-d'œuvre, un peu comme on voit dans certaines régions. Il y a un enjeu social qui se passe, puis on le ressent quand on parle aux gens. Ils sont attachés à leur patelin. Ils parlent d'un paradis, puis ils ont raison. Je pense à revenir, c'est vraiment magnifique. Puis les gens qui sont des amateurs de motoneige, vous l'avez vu, les décors, c'est incroyable, vous connaissez ça. Une première partie d'aventure complètement folle, touchante et agréable. Puis comme à chaque étape, je me dis, la suite, ça va être quoi? Ça peut pas être plus grandiose? Bien, encore là, on nous a promis des belles choses, puis j'ai bien hâte pour la suite. Ça va être vraiment incroyable. Ma boîte. Comme ça, mon stock il peut glisser fluidement. Ça m'aide à mon transfert de poids quand je suis groovy sur le swag.